Humidité, vétusté, champignons, l'école maternelle communale du Korenbeek n'a jamais été rénovée depuis sa construction en 1997. Les châssis sont pourris, le balatum est pourri, il y a des infiltrations d'eau et donc la fédération a considéré que nous ne pouvions plus accueillir des petits-enfants d'école maternelle au sein de ces bâtiments. Autre exemple, dans cette classe qui accueille plusieurs groupes d'enfants. Vous voyez ici, le long des tuyaux des éviers, l'humidité a mangé tout le décor. Le 29 juin, le bâtiment sera fermé. Les 100 enfants et l'équipe pédagogique du Korenbeek déménageront vers le site de l'école primaire de la Flûte Enchantée, faisant partie de la même entité, dans des préfabriqués. Certaines classes de maternelle y sont d'ailleurs déjà opérationnelles. Les services administratifs, réfectoires et salles de psychomotricité sont en cours de finition. Il y a 9 classes qui sont opérationnelles depuis 2 ans. Et donc, c'est vrai qu'extérieurement, ça peut poser problème à certaines personnes. Mais à l'intérieur, je peux vous assurer que tout est mis en place et tout est décoré et tout est parfait pour accueillir des petits-enfants de maternelle. Problème, le nouveau site est implanté un peu plus loin. Certains parents attachés à l'école du Korenbeek le regrettent. Ça ne me convient pas parce que je vois qu'elle n'est pas spacieuse. C'est ça le problème. Et en plus, c'est un petit peu loin. C'est juste pour ça. C'est surtout la distance qui vous pose problème ? Oui, c'est surtout la distance. Oui. Selon ce papa, une pétition circule signée par une 40aine de parents pour demander le maintien de l'école du Korenbeek. La commune et la direction ont rencontré les parents pour leur expliquer les raisons du déménagement. La rentrée de septembre aura bien lieu sur le site de la Flûte Enchantée.